les bouteilles en plastique, un produit de notre vie quotidienne en constante augmentation. Pourtant, moins de 10% d'entre elles sont recyclées. Mais dans les allées du centre commercial d'Estreland, les clients profitent maintenant d'un outil pour le faire. J'étais pas au courant qu'il y avait cette borne où on pouvait recycler nos bouteilles justement. Donc moi j'ai l'habitude de recycler mes bouteilles dans les conteneurs. Mais c'est très intéressant de savoir qu'on peut recycler et en plus gagner des cadeaux. Car cette machine est un casino éco-citoyen. En y mettant une bouteille en plastique, les passants peuvent gagner un bon de réduction dans un magasin associé ou faire un don à une association. Une initiative financée par les entreprises partenaires qui profite d'une visibilité sur un projet positif. C'est la première borne installée par cette jeune start-up, mais le projet séduit selon sa fondatrice. Le fait de mettre une borne ludique, en fait, ça réconcilie le consommateur avec son geste de tri parce qu'on vient jouer, en fait. Et quand on vient à la borne, on se dit, bah, non seulement je vais faire une bonne action éco-citoyenne, je vais venir trier, mais en plus, je peux y prendre du plaisir. Et est-ce que ça incite les gens à renouveler leurs éco-gestes? La réponse est oui, parce qu'on touche aussi bien des enfants qui se disent « Ah, je vais jouer », des adultes qui se disent « Ah, je vais peut-être gagner une récompense, un cadeau ». Et en fait, tout le monde est fédéré autour de ce sujet. Une fois le sac plein, il est vidé et les bouteilles recyclées, comme plus de 22 000 jusqu'à présent. Vous regardez ETV,